Blue Lock Project World Champion, les amis, comme vous le savez, au début, à sa sortie, j'ai couvert les news, le gameplay et tout ce qui en suit pendant quasiment un mois et demi avant d'arrêter par rapport à la langue et par rapport au système de gameplay qu'ils avaient introduit. On sait que c'est un jeu full simulation management où on monte que les personnages via les statistiques, rien de plus. Par la suite, ils ont sorti des portails sur des cartes, etc. Et là, on retourne dessus parce qu'il y a eu pas mal de mises à jour et pas mal d'améliorations concernant le jeu. N'oublions pas que le jeu continue de générer des sommes astronomiques pour un jeu où il n'est disponible que en version japonaise. On est sur les portails, on va partir invoquer. Et par la même occasion, on va également parler de Blue Lock Project. Excusez-moi, Blue Lock Blaze Battle. Il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties, j'en avais déjà parlé. Et il y a eu des news qui sont sorties. Alors, les amis, il faut savoir avant de parler de ce fameux jeu, c'est que, je le parle bien sûr de Project World Champion, c'est que beaucoup d'entre vous ne plaire le type de jeu ne plaira pas à beaucoup d'entre vous. Oh, je drop, incroyable, je drop sur la même multi gratuite, let's go, c'est incroyable. Et ce que je voulais dire par là, c'est que je ne fais pas ce jeu parce que je ne fais pas de vidéo sur ce jeu parce que il y a une hype ou quoi. Il n'y a pas vraiment de hype, hein. Mais par contre, c'est juste que j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Et surtout qu'en ce moment, il n'y a pas de réel contenu sur Black Clover Mobile ou quoi. Je vais bientôt parler de la version globale dans les prochains jours. Il y a quoi? Oh, oh. C'est quoi? Ok, 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 autant pour moi. Je pensais qu'on avait un ticket, mais non. Et il y a quoi d'autre? Oh, on a une autre multi. Oh, la multi gratuite sur le nouveau portail. Let's go. En vrai, j'ai trop envie de l'avoir, lui. Et tout dépend. Il est quoi? Il est type course et tir. C'est quoi, puissance? Ok. Ok, ok. Du coup, il y a les trois derniers personnages. Bon, c'est pas grave, allez. Et comme je vous l'ai dit, ils ont facilité. Ah là là, il n'y a pas de vrai perso. Ah là 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 là. Transfo ? Non, même pas de transformation. Et je marque à droite, ça transperce pas. Mais il pourrait y avoir un fake out. Il pourrait y avoir un fake out. Mais bon. Incroyable. Ah, doublon. Doublon, on prend. C'est cool. C'est cool. Comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal d'améliorations. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup pour ceux qui sont pas trop fans de cette licence? Ça, tout dépend de votre point de vue. On a une autre. Ok. Ok, on va invoquer là-dessus. Je sais pas ce qu'on va gagner là-dessus. J'ai pas vérifié les récompenses et tout. Les drops. Alors, qu'est-ce qu'on drop? Ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir des stats supplémentaires. C'est pas mal. Ah, c'est les bonus de. Ouais, c'est les bonus. Ok. C'est les fameux bonus. Et du coup. Ok, ça coûte 3000 diamants. Du coup, nouveau portail, j'étais pas au courant. On va faire une petite single ici. Et après, on va parler du fameux jeu Blue Lock Blaze Battle qui a été annoncé pour 2023. On aura. Normalement, on aurait dû avoir un trailer ce mois-ci, plutôt le mois dernier. Du coup, en septembre. Et ça a été malheureusement retardé.
pour octobre. Du coup, je pense que d'ici une semaine à deux semaines, grand maximum, nous allons avoir des news concernant ce jeu. Du coup, je vais vous montrer un peu. Il y a ça qui a été ajouté. Mais bon, s'en fout. S'en fout, c'est pas ça que l'on veut. Alors voici à peu près ma box, comme vous l'avez vu. Ça va pour quelqu'un qui joue pas tout le temps au jeu. Ça va, c'est quoi? Après, j'ai pas de perso niveau 100, mais bon. Il est où? Il est là. Ah, il passe à peine 55. Deuxième point qui est extrêmement positif concernant Base Battle, les amis, c'est ce point-là qui, justement, va. Et le point positif, le plutôt la nouvelle qu'on a eue, la principale nouvelle, c'est que le gameplay, ça sera un gameplay à l'horizontale avec des actions. Ça a été plus ou moins confirmé avec un article japonais. On n'a pas encore de gameplay, mais le trailer sera annoncé durant ce mois-ci, comme je l'ai dit en début de vidéo. Qui plus est, les amis, les préinscriptions ont démarré, comme vous voyez ici. Avec pour le moment l'inscription qui se fait qu'avec l'abonnement de leur page Twitter. D'ailleurs, on va appuyer dessus. Il y a 86 000 abonnés. Et il n'y a pas les préinscriptions qui sont disponibles. Enfin, il n'y a pas encore les préinscriptions sur iOS et Android. Et c'est là où on verra la date. Mais je pense que la date, ça sera fin novembre, début décembre, au vu de tous les. De toute la liste des jeux qui comptent sortir courant fin de cette année, que ce soit sur des webtoons comme Solo Leveling ou encore des MMORPG sur mobile qui seront cross-platform ou d'autres jeux qui seront annoncés pour début d'année 2024, je pense pas que le jeu sera retardé. Qui plus est, un autre point positif concernant la sortie, cette fameuse devise de l'entreprise du studio de développement qui s'occupe de Block Battle Blaze, enfin Blaze Battle plutôt, et qui dit: il n'y a rien de mal à faire des erreurs, alors prenez des décisions rapidement. Qui veut dire dans le sens où il est préférable de sortir un jeu en avance tant que les erreurs ne sont pas fatales. Alors, il le dit quelque part là-dessus. Si l'erreur n'est pas fatale, nous vous recommandons de la répéter et de vérifier vos réponses. La traduction est approximative, n'est pas correcte, n'est pas bonne à 100%. Mais si on reprend les bons termes, du coup, ces trois dernières lignes, on va faire ça. On va aller sur un vrai traducteur. La traduction correcte qui donne: la politique consiste à créer deux nouvelles failles, mais à passer à la mise en œuvre dès que possible. C'est-à-dire sortir le jeu le plus rapidement possible, mais derrière, minimiser les erreurs qui ont été faites au lancement du jeu avec des mises à jour régulières. Et ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que de mon point de vue, je vois mal le jeu sortir en fin d'année. C'est-à-dire sur le mois de sur les dernières semaines du mois de décembre, et je vois plus le jeu sortir pour courant novembre. Au vu de la popularité du jeu et en sachant que l'anime reprend début d'année 2024, je vois pas en quoi le jeu ne sortirait pas justement courant novembre. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Blaze Battle. On fait les deux, c'est Blaze Battle. Et on va avoir le trailer sur lequel je vais react. Ça va nous faire plaisir. De nouveautés vont arriver en fin d'année avec Solo Leveling, Jujutsu Kaisen, Artal Chronicles, etc., etc. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace!